Waouh! Bonjour! Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Speed Memory. Donc ce sera Portal 2 Speed Memory, un jeu que j'ai adoré, même plus que le premier, avec des mécaniques de jeu très intéressantes. Et sans plus attendre, on va commencer bien sûr le solo. Et on va faire une nouvelle partie. Voilà. Appel de courtoisie, blablabla, on s'en fout. Voilà. On joue depuis le début. Parfait, et un jeu que j'ai un petit peu retourné aussi, et donc on va voir si éventuellement je suis capable de m'en souvenir comme si je l'avais fait hier. Allez, ça charge, ça charge. Oui. S'il vous plaît. Éventuellement. Ah, voilà. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. C'est bon, c'est fait. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. C'est fait. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. C'est un truc pour les geeks. Accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Voilà, là je suis bien devant là. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Très bien, on va faire ça du coup. C'est bon. Aïe. C'est fait. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Oui. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Très bien, c'était très court, c'était super. À présent, veuillez regagner votre lit. Oui, on va faire ça. Voilà, ah, bon. On essaie de speeder un petit peu parce que du coup... Bonjour. Votre cryostase a duré 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Ah oui. Vous comptez ouvrir la porte? Non, pas vraiment. Oui. Ah! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Fantastique. On va faire ça alors. Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Oui, calme. C'est quoi cette histoire d'évacuation? Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Ouais. Bougez pas. J'ai entendu évacuation d'urgence. Je vais vous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. D'accord, mais à quoi? Très bien. Alors on va faire ça. Ouais, ça va, ça va. La télé bouge, c'est normal. Oui. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. On va faire ça. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système on va faire comme ça alors. Du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Ok, c'est normal ça? Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Alors moi, j'ai un petit problème avec la clim. Je trouve que c'est un peu trop aéré. Bien sûr qu'il est le dernier informé. Moi, j'aimerais. À quoi bon me dire quoi que ce soit? Ok. Je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? C'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer. Ce que je vois, c'est que j'ai plus de télé. En fait, non. Non, faut juste que je passe ça là. Voilà. Faut juste que je me concentre. Oui. Donc on va faire comme ça. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? À vrai dire, je m'en fous, j'aimerais rester en lit. Je suis rentré en plein dedans. Ce
serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande... Je vois pas ce que c'est que cette histoire de violon, mais je m'en fous. Si on vous demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. On va faire comme ça, alors. Ouais. Il y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. C'était pas une station d'accueil. Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Ah ouais. Je vais tenter un override sur ce mur. Un override. Ça risque de devenir méchamment technique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ah. Attends, je vais me foutre là-bas et on va être bien. Vas-y. Une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... vous verrez bien. D'accord. Accrochez-vous bien, d'accord. Je m'accroche autant que je peux, mais... Voilà. Bonne chance. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Oui. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. C'est bien. Est-ce que je suis couvert par mon assurance ? Ces messages sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Et en cas de décès, on fait quoi ? Les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Voilà, donc on va faire ça. Ok. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. Ouais, on a vu. L'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. D'accord. Eh ben ça tombe bien parce qu'il n'y a que nous en matériel autorisé. Bon, première partie réalisée avec succès, hein, posage de cube parfait si sur vous un vous bouton rouge. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Très bien. C'est classe. D'accord, c'était pas par là. Je me souviens plus. Ah oui, c'est ça, il faut aller là. Donc on va faire ça. Voilà. Bon, pas très compliqué, hein, pour le moment, parce que... Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Ah bon? Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Eh ben on va faire ça, oui. Oui, ça a l'air bien, ça. Voilà, voilà. Bon, les énigmes sont pas compliquées, hein. Pour le début, c'est normal. On va passer rapidement pour des si la Terre énigmes est un peu gouvernée plus par un animal, violent. Un âge doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale. J'ai toujours adoré ça. Ou est incapable d'entendre raison. J'ai toujours adoré en fait l'univers Portal, mais surtout Portal 2. Il y a de la végétation, c'est hey, classe. Hein. Vous avez réussi. Oui, sinon je ne serais pas là. Il oui. Y avoir un générateur de porte. Oh ah, d'accord. Voilà. Vous voyez le générateur? Oui, je le vois, c'est bon. Vous êtes en vie? C'est important. J'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. On va faire comme ça. Attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je. Non, mais c'est bon. Cadavre, je vous enterre. Oui. Ça marche comme ça? Non. Allez, on y croit. À dans une heure. Ouais. Peut-être. Peut-être, c'est ça. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bon, ça c'est facile.
Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Ouais, ça va être pratique. Un futur proposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Oui, voilà, ça va être pratique hein, si je meurs. C'est ça, on va faire comme ça alors. Ah là là. Bon, en tout cas, c'est un jeu que j'ai torché, que j'ai adoré, que j'ai fait en long, en large, en travers. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Je dirais pas que c'est du speedrun, mais limite, hein. Ah merde. Voilà. Voilà. Et voilà. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. On va faire ça alors. Et on peut monter là ? Oui. C'est un des petits, une des petites features du jeu. On pouvait un petit peu explorer notre environnement. Portal 1 était beaucoup plus dirigiste. C'est un excellent jeu de Portal 2. De toute façon, même encore aujourd'hui, je pense qu'il est, il est assez drôle à faire. Si j'ai encore eu jamais l'occasion de faire le coop bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Donc on va faire ça alors. D'accord, donc là du coup on a un cube. Voilà. Ok. Et là il nous faut quoi? Ah oui. Merde. Ok, il est parti là-bas. Voilà. J'ai eu ce que je voulais. Qu'est-ce que je fous, moi? Si? Ah si, c'est par là, pardon. Ouh là là. Je fais n'importe quoi. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Bien. Bah ça a l'air bien du coup. Ça a l'air bien. On va faire comme ça. Allez, encore une petite salle, vite fait, bien fait. Et puis on arrête pour ce premier épisode. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Je vais raccourcir un petit peu les... comment... les épisodes, pour pas que ce soit saoulant. Ok. Très bien. Du coup, je pense qu'on peut faire ça. Voilà.
Voilà. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Alors... Ok. Capté. J'aimais bien aussi les petites musiques d'ambiance. Alors, attendez une minute, du coup... Voilà, on va faire comme ça. Ça me fait sauter de plus haut. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Très bien, eh bien écoutez, on va faire ça, on va l'appeler, hein, et puis je pense que normalement il devrait bien réussir. Hein. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode de Speed Memory Portal 2, enfin de Portal 2 Speed Memory, pardon. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, éventuellement laisser un petit pouce vert, un commentaire, à partager la vidéo. Je suis également sur Twitter, et n'hésitez pas non plus à venir me voir sur Twitch, hein, pour des lives exceptionnels. Allez, je vous embrasse bien fort et surtout hashtag amour viril.